Le journal de Sibylle. Fred, j'ai révisé ton dossier. Tout est parfait. Tu as le poste. Merci, monsieur. De rien. Allons-y. Je vais vous faire visiter les lieux. Quelle est votre commande, madame ? Bonjour, il y a un jeune homme qui travaille ici. Puis-je le voir ? S'il vous plaît. Qui parmi eux ? Je ne sais pas son nom, mais il est brun. Et, si c'est Fred, il n'est pas là. Mais il va revenir. Je ne sais pas, peut-être. Bon, d'accord, je vais revenir un autre jour. D'accord. Je vous attends demain. Va trouver Rebecca, il va vous donner ton horaire. Merci, monsieur. Je te souhaite la bienvenue. Tu as déjà rencontré Lisa ? Non, pas encore. Celle qui est à la réception. Ah oui, désolé, je ne connais pas son nom. Bye, à demain. C'était une grosse erreur de ma part. Pourquoi j'ai pas l'écouté ? Je ne sais même pas son nom. Comment c'était ? J'ai eu de la chance. Je suis très contente pour toi. Tu vas me manquer. Je passerai te voir, à chaque fois que j'aurai le temps. Quoi de neuf ? Rien ? Tu sais, Edgar n'est pas là, j'ai presque rien à faire. Et surtout, monsieur Daniel est entré chez lui. Allons à la cigale. Ok, allons-y. Tu as passé une bonne journée. Oui, et toi ? Très bien, mais tu sais, Edgar n'est pas au bureau. Ya, Sibylle aussi me manque à la maison. Tu as tout préparé pour eux, la chambre, le salon à côté. C'est sûr, ils auront besoin d'espace privé. Oui, tout est prêt. Vetiver Cleanings et Vices m'a donné du bon service. Allons visiter. Tu as vu comment c'est propre. Ils ont fait du bon travail. C'est une très bonne compagnie. Allons dans la chambre maintenant. C'est du bon travail. Laisse-moi essayer le lit. Comment tu le trouves ? Parfait. J'aime bien Vetiver Cleaning Services. Je ne sais pas ce qu'ils ont utilisé, je trouve l'odeur très agréable. Tout comme moi. Je dois faire appel à cette compagnie pour le bureau. C'est une très bonne idée. Il a beaucoup d'argent, mais je ne l'aime pas. Alors tu aimes son argent. L'homme tu aimes, c'est Edgar. Oui, mais cette petite idiote de Sibylle, venant de nulle part, me l'a pris. Mais elle va regretter d'avoir dit oui à Edgar. Tu ne connais pas Sibylle avant. Non, je ne sais même pas d'où elle vient. Il paraît qu'elle est de la même famille de Monsieur Daniel. C'est bien pour ça qu'Edgar l'a épousée. Il a toujours voulu d'être directeur des Métoulas. Si c'est vrai, il est sur la bonne piste. On peut bien manipuler cette Sibylle. À son retour, je vais me mettre de son côté. Et toi, essaie de reconquérir Edgar. Tu es plutôt bonne, toi. Je n'arrive pas à croire que la semaine est déjà écoulée. Malheureusement, oui, belle madame. Alors va faire tes valises demain, on va entrer. Pourquoi ? Tu ne t'arrêtes pas de me regarder. Je ne peux pas contempler ma femme. Mais je ne me souviens pas d'avoir dit ça. Je crois que je dois prendre ma retraite. Comme ça j'aurai plus de temps pour ma femme. Es-tu sérieux ? Bien sûr, mon amour. À vrai dire, j'aime Lisa, mais elle ne me comprend pas. Que comptes-tu faire à présent ? J'ai pas de problème pour ça. Elle était en difficulté lorsque je l'ai rencontrée. Ok, je comprends. J'arrive. Bienvenue, Sibylle. Bienvenue, votre présence a apporté la joie dans ma maison. Merci, Magali. Et monsieur, il est là ? Non, il est au bureau. Venez donc, je vais vous montrer votre chambre. Merci, Magali. Je ne m'attendais pas à tout ça. De rien, Sibylle. Tu sais que je t'aime comme si tu étais ma fille. Je vais vous laisser vous reposer. Merci, Magali. Elle est si gentille avec nous. Oui, bon chéri, je vais sortir. Repose-toi. Et toi, tu n'as pas besoin de repos. Si, mais après. D'accord, prends bien soin de toi.
C'est tout. Oui, $11.99. Merci. Quelle est votre commande, monsieur? Fred est là, s'il vous plaît. Non, il a un nouveau travail. Tu connais où il travaille? Malheureusement, non, monsieur. Merci, bonne journée. Tous les jours on vient demander pour Fred. Qu'a-t-il fait? Bonne nouvelle pour toi. Edgar est de retour. Qui t'a dit ça? Il est dans le bureau de monsieur Daniel. Tu as un plan. Je vais y penser. Merci beaucoup. Comment ça va, Edgar? Bien, monsieur, et pour vous? Bien. Je ne pensais pas te voir ici. Je sais, mais j'ai tellement envie de te voir, je ne pouvais pas attendre. Bien, assieds-toi. Merci, monsieur. Je crois que je vais prendre ma retraite. Toi et Sybille pourraient diriger l'entreprise. Pourquoi tu ne dis rien? Tu me surprends, monsieur. J'ai beaucoup de confiance en toi, et maintenant avec Sybille à tes côtés, je pense que tout va s'arranger. Ça fait déjà très longtemps depuis que je travaille avec vous. Tu me connais assez. Si c'est ça que vous voulez, je ne peux pas vous refuser. Merci, Edgar. De rien, monsieur. Bon, je ne vais pas trop rester. Je vais aller retrouver ma femme. D'accord, Edgar. À ce soir. Hello, beautiful. Salut. J'ai besoin de te parler. Allons au restaurant. Tu aimes ta nouvelle chambre? Oui, elle est magnifique. Je t'avais promis de passer te voir. Tu as raison. Ta mère est entrée. Non, pas encore. Bienvenue, Sybille. Merci, monsieur Daniel. Tu as passé un bon séjour. Oui, monsieur. Très bien, à demain. Bonne nuit, monsieur. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Ta femme est enceinte. Tu plaisantes, maintenant. Qui a-t-il alors? Tu as en face de toi, le directeur des Metoulas. Tu mérites un bisou. Je suis heureuse pour toi.